Et aux barres asymétriques, on débute avec Laura Van Loven, la néerlandaise, aux barres asymétriques. Et Laurent, pendant que Laura Van Loven se prépare, sachez que les internationaux de gymnastique rythmique de Thiès seront organisés les 27 et 28 mars prochains au Palais Omnisports de Thiès, dans le Val-de-Marne. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end-là, je sais que vous êtes très très pris. Mais allez donc au Palais Omnisports de Thiès, car il y aura du spectacle et du beau spectacle. 20 pays seront représentés, parmi lesquels la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Bulgarie. Et il y aura les 20 premières gymnastes individuelles et les 10 ensembles mondiaux sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Du grand spectacle donc les samedis 27 et dimanche 28 mars pour ces internationaux de gymnastique rythmique de Thiès, au Palais Omnisports de Thiès. Et alors qu'on a aussi là assisté à du spectacle aux barres asymétriques, malheureusement dans le mauvais sens, puisqu'il y a eu une grosse chute après un lâcher de barre, un salto avant un quart, mais a priori pas de bobo. La gymnaste a repris son mouvement. Ah. Ouais, mais la note va être bien entendu décevante. 8-0-37 pour Laura Van Loven.